J'ai envie de dire, c'est pas mal là. Du coup, ouais, c'est ici qu'on pourrait aller explorer. Tu fais Pâques demain? Ah bah oui, le lundi de Pâques, ça se tient aussi, hein. Ok, elle a l'air d'avoir un truc tout en haut. Machin avec du poursuit, on dirait une tête de Groot. Sur des pattes d'arrière, ça se tient. Après, il a pas dit je s'appelle Groot. Et d'ailleurs, j'avais appris pour Groot que c'était Pinard Gasoil lui-même qui avait doublé les voix dans à peu près toutes les langues. Alors oui, avant qu'on pose la question, Pinard Gasoil, Vin Diesel, parce que Vin Diesel. Que Pinard et Gasoil. Oh yeah! Oui, c'est sûr que... Ouais, mais le problème, c'est qu'il a quand même réussi à faire une faute en français en disant « Je s'appelle Groot !» À moins que ça colle au personnage. Mais après, je sais pas, les Gardiens de la Galaxie, il est dans ma watchlist, mais j'ai toujours pas regardé. Pareil qu'il est vachement bien, cela dit. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce film. Je pense que c'est volontaire. Bon, bah, on va lui accorder le bénéfice du doute, alors. Il y a une zone là où je suis pas allé, dis donc. Est-ce qu'il faut les doubles sauts? Ok. Ça, j'ai fait pire dans Céleste. Ah! Fuck! Attends, je suis... Oh, faut que je refasse tout ça, mais ta maman, la pingouin là. Faut pas oublier ça, ça fait... Voilà, ça fait paf sur la gueule. Hop, hop. Eh, c'est dur. J'ai dit, il y a encore un truc au-dessus là. J'ai dit, je vais aller récupérer le truc au-dessus. Ouh. Et Aziar parle du nez. Je suis en train de me dire, est-ce que je pourrais pas... Ouais, je suis juste passé par là en fait, je me fais chier pour rien. Et je crois que ce truc là, j'ai pas encore le pouvoir pour y aller. Ah bah c'est du joli, hein. Ok, ben du coup... Alors, on va remonter, on va essayer d'aller choper le petit machin qui est là vers le centre de l'écran. Et après on part sur la droite pour remonter et aller directement à l'arbre, ça me paraît bien. On va peut-être passer au puits des esprits juste avant pour sauvegarder, se remettre à fond. Hop. Donne à ton tonton, Ori. Allez. Voilà. On va sauvegarder. C'est l'ordre de tuile dans Super... Alors Supernatural, j'ai jamais regardé, même si j'en ai entendu énormément de bien. Oh. 200... Oh. Point de skill. Eh ben, je vais prendre... Atulé, pardon, j'avais mal lu. Eh ben, on va prendre la brûlure de flammatisé. Oh, attends, déjà il y a le truc là-haut. On va aller le récupérer. Là qu'on a le double saut, c'est disponible. Boum! Sans de plus. Moi ce que je veux, c'est ça. Non, ça passera pas. Ouais, à mon avis, faut un... Ouais, ok, il faut peut-être le pouvoir auquel je. Ouais, non. Les pouvoirs qu'on a vers la fin, ça. Au pire, on va passer par où du coup. On peut aller voir le petit chemin par là vite fait. On fichera des... tu m'en ficherais des tuiles toi.
Ah, c'est vrai que je suis pas très très argile, hein, tu m'étonnes. Ok, donc du coup, plutôt passer un cran plus haut. Ah, il y a encore ce truc là. Voilà. Franchement, avec le. Oh! Eh ben, dis donc, on ramouille un peu le jeu. En plus, j'ai pas encore l'écrasement. Oh, attends, attends, attends. Donne-moi ça. Ah, c'est peut-être gérable. Yes. Et de l'autre côté, c'est peut-être gérable aussi. Ah, ça l'est. Yes. Heureux. Ah, bah ça, ça pue si la connexion fait nawak. Ok, 105. Super. Hop, évidemment. Bon bah ça m'apprendra à vouloir sauter des étapes. Okay, on va repasser en dessous. La sécurité, mesdames et messieurs les gens. Donc de là, je vais tout droit pour essayer de récupérer le truc jaune. Puis on va essayer d'explorer vite fait les deux coins qui sont pas encore tout à fait découverts. Et on va à l'arbre. À dire, on verra selon le temps que ça nous prend si on fait la pause juste après là ou pas. Ouais, non. Technique de. Attends. Ouh, puis il y a ce truc là à les récupérer, j'avais oublié. Ah, attends, je vais faire pause pour regarder. Technique de. Alors, technique de drague de Rollis Fantasy, j'aimerais parcourir la terre du milieu pour m'enfoncer en Mordor. Ah mais faut pas oublier un truc, one does not simply walk into Mordor. Ouais, je dis tu peux essayer, mais il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Voilà. Parce que du coup je peux aller voir ce qu'il y a là-haut maintenant qu'on a... Hein, ça marche pas? Mon double saut ne suffit pas? Ah si, je me disais... Oh, puis une cellule d'énergie, dites-moi. Oh yeah, ça nous en fait 7. 7 sur 12. Je regarde, 25%, 25% du jeu en... Et on est mort 52 fois en 1h43, c'est pas mal. J'ai envie de dire, c'est pas mal, là. Ok. Eh ben, on va aller directement à notre objectif. On n'a plus de détour à faire. On a raccourci un autre par la caverne secrète. Oh là là. C'est d'une classe, mon cher Vice Robert. Boum. Ah oui, mais attends. Ok, bah, 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 bah. Passer par le truc là. Non. Et bloup. Et après, tu grimpouilles là, mon petit mammouth. Ok, alors le soleil dehors, qui était censé faire moche toute la journée, tout va bien. Chercher l'erreur. Hop, nana papa. Allez, on va s'occuper des petites merdes. Excellent. La classe est d'accepter de l'honorer de mon précieux. Mon précieux. Sale petit bide joufflu, ça les abîme. Allez, on insère la source. Voilà, hein. Parler de ça et dire derrière, on insère la source, tout va bien. Allez, entrons dans l'arbre. Arbre de Jinso. Ouais, Jinso, ça sonne bien. Les eaux de Nibel se déversaient autrefois de cet arbre, et le voici désormais mort et creux. Pour qu'un nouveau jaillisse l'eau, il nous faut trouver le cœur de l'arbre de Jinso. Ok. Donc maintenant, on va rigoler. Alors, il me semble que ça, c'est des machins qui téléportent de l'autre côté. Yes. Fuckity fuck. On va voir qu'au pire si je veux récupérer. Boum, fait un petit lien d'âme. Ça donne un point de vie supplémentaire. Hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Attends, attends, attends. Ah, je pensais que ça pouvait passer. Jinso, ça fait penser à la carte Yu-Gi-Oh. Alors, faudrait que je vois laquelle.
Ou alors, ça se trouve, elle a peut-être juste jamais popé dans les projets que j'ai fait. Parce que oui, spoiler alert, un des trucs que je traduis au boulot niveau jeu, c'est Yu-Gi-Oh. Et c'est super fun à traduire, mine de rien. Eh, Dana Papa. Ok. Ok, j'ai pas l'impression qu'on puisse lui faire de dégâts, celui-là. Ok. Oui, bah justement, ça existe déjà, bah oui. On disait pas que ça existait pas, hein, mais c'est juste que moi, perso, j'ai des connaissances assez limitées du jeu, donc forcément, si ça a pas popé dans un des projets que j'ai fait au boulot, je risque de pas connaître. Puis bon, quand t'as le glossaire des cartes et qu'il y a plusieurs milliers de cartes qui existent, on peut pas te demander de tout connaître. Enfin, heureusement, les cartes, ils sont pas méchants dans la mesure où quand ça pop dans un projet, t'as juste une balise avec le numéro de la carte et selon ce qu'il y a, tu sais comment accorder. C'est plutôt simple en fait. Ok. On est pas mal. Tout corps avec un masque à gaz et le cerveau qui a l'air qui désactive les. Oui, bon. Moi, j'ai juste envie de dire Yu-Gi-Oh! Fuck yeah! Non. Non. Pousse-moi. Hop. Un petit soul link pour récupérer de la vie. Ça m'amène où? Oh, attends, je vais revenir en arrière. J'ai l'impression que je peux aller de ce côté. Hop. Oh. D'accord, ça me remet l'énergie à fond, ça c'est gentil. C'est bon à savoir ça. En plus, les arbres c'est des zones. Alors, si vous voulez faire le 100% de ce jeu. Les arbres, c'est des zones où vous pouvez rentrer qu'une seule fois. Une fois que vous avez fini, vous avez plus, vous y avez plus accès. Donc pensez à bien tout récupérer sur votre passage. Sinon, vous l'avez dans l'ours. Pour rester poli. Quel était le fuck? Mais bon, là, je vais mourir comme un pauvre caca. Parce que je me suis fait U. Bon. Kilo. On peut dire dans la fosse, ouais, c'est ça. Bon, bah, moi, étrangement, tu mis dans la fosse, je pense surtout à un concert de métal, hein, genre les gens qui vont devant pour faire les mosh pits et tout ça. Mais. Qu'est-ce que crabler? Espèce de Skogabi, va. Voilà, quand quelque chose m'énerve, je l'insulte en l'appelant d'un nom de meuble Ikea. T'es où? T'es où, bonhomme? T'es là. Bah, il est où? Bah, t'es où, bonhomme? Attends, je vais aller par là, dis donc. Ah, mais oui, d'accord, ok. Ce machin-là va servir à dévier le rayon. Normalement, ça rentrait pile dedans. Attends, on va peut-être en avoir besoin. Je vais le laisser sur place. Oui, attends, j'ai une idée. Bloop. Tu pèterais pas ça pour moi, s'il te plaît? Ok, non. Attends, wait, what? Ah, mais non. En fait, non. Ok, parce qu'on a un deuxième là. Ah oui, d'accord, tu fais une chaîne en faisant ça. Mais ça va pas passer. Wait. Hop. Les animaux en plastique, genre canard en plastique. Ouais, ça marche aussi. Parce que voilà, en faisant ça, je peux le mettre dans le bon sens. Wait. Ah bah voilà. C'est ouvert. Je suis où? Je suis là.
Allez, un petit lien d'âme, comme ça on est tranquille. Et 32% de l'arbre. Partie sauvegardée. Carreau de soeur, je crois en l'âme d'écart, je dois croire. Hein. Ok, c'est un espèce de... c'est encore un espèce de boss, j'ai l'impression. Allez, c'est le moment d'apparaître et de te faire tataner. 100 points d'XP, nice. Non, y'a rien. Oui, pareil. Bah en fait, une des premières réactions que j'ai eues quand j'ai vu le trailer de Fae, ça a été de me dire « Putain, mais en fait, c'est une version 3D d'Orient the Blind Forest, c'est cool. » En sachant que, vu que j'avais adoré ce jeu... c'était pour moi une évidence de faire fait en let's play en fait, c'est pour ça que qu'il est. C'est pour ça qu'il était sur la chaîne d'ailleurs. Fuck. On donne le. Ouais, vas-y, donne le sabre laser. Merde. Ça Marinette, je mets un point d'honneur à rester moi-même. Hein. Parce que sinon, bah attends, tu es où? Ah Védo, je suis là. Là, bourrin, tartine de merde. Il en faut 4. Ok, ça m'amènerait là. Ah, par contre, ça fait mal. Wait. Attends, bah quel est le fuck? Ok. Ça, par contre, c'est moins marrant. Ok, faut faire ça une fois. Blablabla. Voilà. Hop. Hop. On sort. Attends, mais là, tu fais. Et tu sors là. Et là, on a les 4. Fuck. Fork, yeah. Ah bah, ravi que ça te plaise. Et comme j'ai dit, je mets un point d'honneur à rester moi-même. Parce que sinon... Oh, attends. Ça... J'allais dire, il y a un arbre, je vais pouvoir utiliser ces machins. Oh, je crois savoir... Le pire, c'est... Un cri de désespoir s'échappe de l'arbre ancestral. Rim était agile et fila tout à l'heure à travers les airs. Écoute sa voix, ses paroles pleines de sagesse. Eh ben écoutons sa voix, ses paroles pleines de sagesse. Tu maîtrises la compétence frapper. Pour l'utiliser, appuie longuement sur Y près de l'antenne ou de projectiles ennemis et rentre ton saut dans la direction de ton choix. Les projectiles seront envoyés à l'expéditeur. Donc en gros... Voilà, donc là par exemple, je veux aller en haut à gauche, bah hop! Et c'est ce pouvoir là que j'avais en tête dans le truc tout à l'heure. Dans la zone pour récupérer des certains collectables. On dit quoi, ton niveau pouvoir? On a déjà plus de la moitié des pouvoirs. 31% du jeu, not bad. Et du coup, quand les machins balancent des pouvoirs, on peut utiliser les ennemis comme projectiles. Et ça, c'est la classe. Et regardez, on veut passer ici, attends. Et là, je veux passer ici. Je peux faire. Là, faut passer par au-dessus. Voilà, je peux grimper comme ça. Et surtout, je peux le faire plusieurs fois en un saut. Et ça, c'est la classe. Ah, il faut descendre. Voilà, hop, on récupère le brasier. Oh, point de compétence, on va le prendre tout de suite. Attends, c'est un truc qui a un point de compétence. Bon, là, c'est à deux. Bah, du coup, on va prendre la fission de flamme. Et la cible qui... Ok, ça touche de cible. Donc à partir de maintenant... il faut toujours un minimum de 2 points de compétence. Ok. Bon à savoir. Je suis là. Attends. Parce que là, il faut... Parce qu'on veut aussi dévier les projectiles vers là où on veut qu'ils frappent. 31% du jeu à 17h. Ouais, franchement, on avance bien, hein. Surtout qu'en plus, j'ai pas vraiment prévu de faire un 100%. Après, si je peux le faire et que ça prend pas trop... Vu comme c'est parti, ça risque de pas prendre trop de temps. C'est pas une mauvaise chose. Attends. Par là.
mais attends, faudra peut-être dé... Faudra peut-être... Ah, mais attends, je suis bête. C'est... Je me fais chier pour rien, là, encore une fois. Merde, je l'ai fait trop tard. Là. Mais voilà, ce pouvoir, il est trop bien. Hop, droite. Pour l'emmener par là. Et hop. Oh, joli. Il faut qu'on le refasse encore une fois. S'il y a besoin, je peux réajuster. Oh, j'ai loupé le tir, ok. S'il y a besoin, je pouvais le réajuster. Non, c'est bon. Nice. On a combien dans la zone? 60%. Ok, donc on approche tout doucement du sommet. Ah oui, non, mais ce jeu est superbement magnifique, hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que ça? Toxic René, il aime pas. Voilà. Jure. Vous pouvez refaire pomper des projectiles, les dudes? Faut que j'aille un peu plus haut. Merci beaucoup. Ok, attends. Je sais ce qu'il va falloir faire. Par là. Non? Par là. Petit fuck. Presque. Voilà. Je sais pas trop ce qu'il y a par là. Oh, d'accord, il y a ça. Et ça m'amène vers... Oh, une cellule d'énergie, trop bien. Ah oui, c'est sûr que c'est magnifique, sauf si tu imagines tout ce qu'il compose, ça je te l'accorde. Hein. C'est sûr que quand tu vois le résultat final et que tu sais par quoi t'as dû passer pour en arriver là, tu fais... Eh ben, t'es content d'avoir le résultat... Oh, bah dis donc. Ok, on en est à 66%. On va rigoler. Ok, oh. Et on part à gauche. Oh putain, oh putain. Oh bonne mère. Voilà, on part plutôt comme ça. Hop. Et puis comme ça. Au pire, attends, on repart comme ça. Oh yeah. 68. Le teaser ultime. C'est donc juste avant 69. Ok. Ça sent le boss, il me semble. Ok, je crois qu'il va falloir qu'on utilise notre nouveau pouvoir. Ah oui, d'accord. Ok, je crois que je vois comment on le bat. Tiens, reprends ton pouvoir, espèce de doud. Allez. Pour ça que beaucoup de tests de jeu, t'es en tant que dev occasionnel, tu quand tu dis les gens critiquent. Bah, oui, c'est sûr que quand tu dois coder des trucs qui tiennent la route, faut pas oublier que c'est pas, faut pas oublier que ben coder un jeu, c'est loin d'être facile. Mais je suis en train de me dire, Wizrobert, puisque t'es dans le code. Ça t'est déjà arrivé de participer à des jams comme le Ludundar par exemple? Simple curiosité. Oh my. Voilà, problème réglé. Trop bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah. Hein? Attends, un pieuse d'esprit là-dedans? Bon, vas-y, je sauvegarde. Hein. Ah, mais oui, attends, je sais comment on va accéder à l'autre truc. Suis-je bête?
de l'arbre de Jinso protégeait autrefois l'élément des eaux, mais le voici aujourd'hui malade et gangréné. Ah oui, putain, c'est pas gangréné là, c'est Nous devons l'aider, le soigner et le purifier en le débarrassant du mal qui le ronge des deux côtés. Attends, je vais regarder dans les logs, bouge pas. Mais faudra que je vois s'il y a pas moyen de faire des bidouillages au niveau du bot, parce que là ça part vraiment en grosse caouette. Là, je suis d'accord, t'as pas posté le lien. Selon une définition humaine de la chose, t'as pas posté le lien. Ah oui, non, mais t'inquiète, hein. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et j'ai regardé, c'est pour moi, c'est pas un lien que t'as posté. Hein. On est d'accord là-dessus. C'est le bot qui a interprété ça avec le cul. Si tant est qu'un bot puisse avoir un cul. J'interprète avec le cul. La la la. Bah après c'est pas vraiment le Babouli bot, c'est juste un bot que j'ai trouvé sur le net et que j'ai mis sur la chaîne Twitch. Mais c'est sûr que si après il interprète les choses, ben pas comme il faut, là on va avoir des problèmes. Il faudra que je vois si je peux bidouiller les paramètres, peut-être pendant la pause, tiens. Je regarderai pendant la pause si je peux modifier les paramètres de ce qui constitue un lien, parce que sinon on s'en sort plus, quoi. Parce que bon, si c'est juste la présence de deux trucs séparés par un point dans la phrase, on m'excusera, mais non. Pas mal. 76. Mais y a rien d'autre par là? Ah non, parce que c'est vrai qu'après il va y avoir l'espèce de phase de fuite, je me souviens. Oui. On finit par une espèce de phase de fuite de l'arbre. Et on s'enfuit, hein, c'est par l'arbre qu'il y a un problème de plomberie. Quoique, vu que c'est l'élément des eaux, hein, on peut se poser la question. Alors, je récupère ça. Merci bien. Ok. Puis bon, accessoirement, voir un truc qui m'est attribué faire des fails, vous avez l'habitude, non? Ok, il va falloir qu'on amène un truc. Ok, hey, dis donc. Peut-être que je le fasse plusieurs fois, viens par là. Par là, j'ai dit. Attends, déjà, je pense que je vais commencer par le commencement et envoyer le projectile là-bas. Voilà, c'est ça que je voulais, 82%. Excellent. On a tout ce qu'il faut avec ça, non? Attends, on va sauvegarder et on va écouter Sane. Nous pouvons à présent rétablir l'élément des eaux. Il ne nous restera ensuite que deux autres éléments à raviver. Oh my! Là maintenant, les os sont durs. Mais va falloir se barrer. LOL. Allez. Voilà, c'est phase de fuite. Avec la musique, je trouve ces moments mais absolument magnifiques, quoi.
Voilà, ça pour moi, c'est les moments qui font de Ori un jeu absolument superbe. C'est ce qui fait que j'adore autant ce jeu. L'ambiance, tout ça. Non mais cul, mais suce un cul toi. Oh, je suis passé. Vas-y, balance un putain de projectile toi. Allez. On y va. Hop, on récupère ça au passage. Allez, you can do it. Allez, allez, allez. En plus, il va falloir les enchaîner pour passer. Oh putain, le point de skill part maintenant. Ok, on est bon. On a combien? 94. Ok, on a presque fini la zone. Oh, je repars du début de la fuite, vas-y. Ah! On peut pas créer de lien d'âme dans une zone, évidemment. Voilà, c'est là qu'il faut enchaîner les mecs. On est fan d'Oritos. Ah mais ah putain, chiotte, cucouille, caca pourri. Inquisition espagnole, parce que personne ne l'attend. Allez. Oh yeah. Ouh là là. 100%, fuck yeah. Merci pour les GG. Ouh. Eh ben dis donc. Un élément. Oh. Vassiste à cette petite fenêtre. C'est comme une plante GG. Oh. Bonjour Kuro. Comment ça va? Comme une plante GG Ragnum. Uh oh. On peut discuter si vous voulez, monsieur le Korbach. Pardon, madame, parce qu'apparemment t'es une fille. Tu veux jouer aux cartes? Ça te dit une belote? Ah non, apparemment c'est YOLO! Par contre, le suicide c'est pas une option. Oh, non, 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 me dis pas qu'elle va choper Ori. En fait, je pense que si, mais. YOLO, non, c'est pas le bon jeu! Elle détestait la lumière, notre lumière, et pourtant, la bonté d'Ori allait à nouveau sauver mon enfant. Qu'est-ce que tu fais là, Goumon? Agumon, le Digimon, je vais t'appeler le Digimon, tiens. Est-ce qu'on peut le contrôler ou pas? Ori, j'ai bien cru que la vieille vicaire de Kuro t'avait à jamais arraché à moi. Mais Goumo t'a sauvé, nous épargnant ainsi un destin tragique. Eh, maintenant l'eau est pure. Regarde, l'arbre de Jinso a repris vie et les eaux de Nivelle sont à nouveau limpides. Nous devons faire vite, il n'y a pas de minute à perdre. Occupons-nous à présent de l'élément des vents qui repose dans les profondeurs des ruines éplorées. Au cœur des bois brumeux se trouve une clé qui ouvrira leurs portes. Oh, voilà, prochain objectif. Les bois brumeux. Trouve le sceau des Goumon caché dans les bois brumeux. Bien,
Et ben vous savez quoi les gens, je pense que c'est sur l'obtention de ce premier élément et donc à 2h21-22 de jeu et 36% de complétion que je vous propose de prendre la première pause du stream. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour continuer et partir vers la deuxième, vers le deuxième élément. A tout à l'heure.